Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouveau let's play sur un super serveur du nom d'Olympien PVP. Et j'en suis sûr que vous allez tous vous demander mais pourquoi est-ce que je retourne sur ce serveur alors que j'avais dit que j'arrêtais la série PVP Faction il y a un an à peu près. Un peu plus d'un an hein, forcément. Elle est sortie le 31 décembre je crois, ou le 24, je ne sais plus. Bah, c'est simplement pour faire une saison 2. Alors bon, vous vous demandez déjà... Vous savez que c'est pour faire une saison 2, mais pourquoi est-ce que je refais une saison 2 sur ce serveur alors qu'il est un petit peu laissé par la communauté? Disons qu'Agent GB ne fait plus de publicité, ne fait plus de vidéos dessus, donc on penserait donc que ça serait un serveur qui serait pas intéressant pour faire un let's play ou quoi que ce soit. Mais bon, même si je vois que Palladium a la cote actuellement, je trouve que Palladium ça reste un trop gros serveur dans le sens où lequel quand il faut faire une faction, une grosse faction, enfin une faction avec des amis, c'est vraiment une faction active. Parce que par exemple si je commence à créer ma base, je peux être sûr que qu'au bout de quelques jours, ben, elle sera déjà pillée. Donc c'est pas la peine. Au Palladium il faut être très actif et moi je peux pas me permettre d'être très actif. Donc on retourne sur ce serveur déjà parce qu'il est calme, hein, je vais pas me faire piller. Puis deuxièmement, je me dis qu'un serveur calme ça permet aussi de laisser la construction. J'ai quelques idées en tête, par exemple faire un TNT run par exemple, des idées comme ça, hein. Je me dis que là où sur Palladium créer un TNT run vanilla, ben, c'est pas possible par exemple, hein, je veux dire désolé, mais à peine t'aurais commencé à créer ton TNT run, ça y est, déjà tout démoli. Là tu fais un endroit un petit peu tranquille, éloigné de ta base, ça craint presque rien. Oui, donc en plus de toute façon, ça reste un serveur que j'apprécie énormément parce que c'est lui qui m'a fait progresser énormément sur YouTube. Au départ, quand j'étais venu sur le serveur, c'était pour voir Agent GB, hein, et me faire troller, mais bon, vu qu'il a abandonné le serveur en quelque sorte, je sais pas si personnellement il est encore présent dans tout ce qui est administration sans doute, mais en tout cas moi je le vois plus. En tout cas, bon, avant de commencer cet épisode, bon, parce que j'en suis sûr que le blabla ça vous intéresse, hein, mais on est venu pour faire autre chose. Vous avez remarqué que, et oui, on a des shaders, on a un... c'est quoi? Je sais pas, il y a un ballon. On a des shaders, on a enfin un magnifique texture pack. Regardez-moi, il y a carrément mon ombre. Et bien, c'est simple, vu que j'ai un nouveau PC, je vais en profiter. Donc, je vais vous montrer le texture pack. C'est Swartex Fanver 1.12, un texture pack que j'adore. Et pour le shaders, j'utilise le CUDA Shower. Oui, en effet. Dans le CUDA Shaders, j'espère que ça va pas trop saturer. Regardez-moi cette beauté. Non, c'est bon, il y a des sauts automatiques, ils n'étaient pas activés. Ce que je disais, oui, du coup, on va se téléporter à la base, parce que je vais garder quand même ma faction, hein, je suis pas fou. Mais j'ai quand même réarrangé la base pour accueillir cette nouvelle saison. J'ai pas envie d'abandonner la base avec tout ce que j'ai. Au contraire, ça peut m'aider, mais voilà, vous voyez que j'ai déplacé... Où est-ce que je suis? Pourquoi je suis ici? Désolé, ah oui, c'est vrai que mon spawn, j'avais complètement oublié. Oui, donc voilà ma base, tous les coffres qui étaient ici, bon, il en reste, hein, des coffres, mais je veux dire, ils sont tous vides, et je les ai tous téléportés là-bas. Ouais, enfin, téléportés dans un sens. Ce qui permet, comme ça, bah, d'utiliser tout ça et... toute cette partie là en fait est consacrée, bon, en fait, je l'utiliserai pas sauf à de rares exceptions, si par exemple je me fais piller au cours de pillage, bon c'est très peu probable, mais vous m'avez compris, j'utiliserai ce stop, hein, peut-être, mais en tout cas pour cette saison je l'utiliserai le moins possible, sauf et uniquement sauf pour la nourriture, parce que ça et aussi peut-être pour si je reprends la minute de l'Olympe, lequel c'est une petite série où lequel je vais donner des conseils. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'utilise que la nourriture parce que j'ai pas envie de tuer des moutons. J'ai pas envie de refaire ma plantation ultra. Bon, vous voyez, j'ai complètement tout enlevé. Peut-être que je replacerai des carottes. Tiens, on va replacer des carottes. Mais sérieusement, je vois pas vraiment l'utilité. J'ai beaucoup de nourriture. Faire un petit peu de place et bon, voilà. Voilà. L'armure, tout ce qui est armure, bon bah ça. Tout ça, je vais le laisser sur moi, évidemment, j'ai pas envie de perdre tout ça, parce que c'est peut-être les items qui vont encore le coup dans ma base, dans ma faction, donc tout perdre, ça serait quand même difficile, je les laisserai dans ma base quand je vais déjà enregistrer, mais je les aurai toujours sur moi quand je les connecterai, donc ils seront toujours accessibles pour ma part, par exemple, je vais les placer, j'ai pas de coffre de dispo, est-ce que j'ai, non, là, toujours pas,
Non, 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 ça va être un petit peu... bon, vous m'avez compris, donc j'utilise la nourriture et bon, quand j'aurai besoin de créer des constructions, par exemple le fameux TNT Run, j'utiliserai les ressources que j'aurai, donc bon. Mais majoritairement, je repartirai à zéro, donc c'est pas... je repars à zéro complètement, hein. Je repars pas à zéro justement. Voilà, je fais tout blabla, on va se retrouver en monde minage pour commencer à miner. Et à récupérer, mais regardez-moi avec ce shaders, regardez-moi cette eau, c'est magnifique, c'est la réalité, ça y est, on réalise. D'ailleurs, abonne-toi si t'es content. c'est la révolution, c'est la révolution. Oui, bon, oui, donc je remplace des petites torches quand même, hein, parce que j'en ai pas sur moi, parce que bon, là c'est tout sombre. Hein. Donc nous revoilà au spawn, qu'est-ce que c'est que ça? Comment cet arbre a-t-il pu pousser ici avec la carte Kiwi? Oh là là, ça passe par très loin, disons que sérieusement, on venait sur ce... Bon, on voit que c'est toujours pas abandonné, change les clés de vote. Les clés de vote. D'accord, très bien. Oui, oui, bon, vu que je reviens, les plus actifs sur ce serveur, par exemple, Locam qui est actuellement connecté, doit savoir que je viens quand même de temps en temps de se rendre compte. Pourquoi si j'ai tout ça? Pourquoi bonjour? Bonjour. Bonjour, désolé, mais... Bon, ah oui, on peut pas le vendre, c'est vrai, c'est dommage. Hein. On est en plein. En plus, c'est très beau. Bon, alors ça va. Bon. Ils ont des serveurs de surhumains chez Olympia, donc bon, ça les dérange pas si je jette quelques trucs. Bon, en tout cas, ça. Bon, c'est des épées qui ne servent strictement à rien, les épées en or. Mais pour un début. on a dit de ne pas tuer les poulets, on en a assez de la nourriture. On va aller récupérer du bois. Avec ce bois, on va faire cette chose. Pourquoi? Mais bah, tiens, on va. Bonjour. Toi, tu fais quoi? Châtiment et recul. Ça, on va plutôt le garder. On veut jeter ça. Par exemple. J'espère que ce retour de let's play va vous plaire quand même. Voilà. Il n'y a rien de plus passionnant que de voir quelqu'un couper un arbre. Même Monsieur Poulet peut certifier avec son ami Monsieur. Tiens, bonjour toi. Bonjour. Ah oui. Bah, vu que j'ai dit que j'allais tuer personne, forcément ça rapproche des gens. En même temps, si quelqu'un te dit tu vas tuer personne, il y a plus de chances qu'on te prenne pour un détecté, pour quelqu'un de très bizarre que quelqu'un de normal en fait. Parce que tu vas pas aller voir les gens pour dire. La preuve, lui-même, il est content. D'ailleurs, son pote, il s'est barré. Pour ça, c'est moins sombre. Ça fait une petite pasta. Ça va mettre... Je mets la musique de l'avant-ville. Vous allez tous avoir peur. Ah oui, bon. Sinon, j'avais remarqué que Olympia propose un pack YouTubeur. Alors, bon. En saison 1, ils en proposaient un. Enfin, en V1 du serveur, ils en proposaient un. Je leur ai demandé, vu qu'ils m'ont sur le Twitter, vu qu'ils n'ont pas dit si d'accord, comme quoi si je voyais un des administrateurs connecté, bah, je pouvais leur envoyer un message. Donc, je n'ai pas osé leur demander, surtout que j'ai complètement oublié. Tout de même, ils ont refait le pack. Par contre, oui. Je me trompe de bouton, c'est magnifique. Je disais, oui, donc tout de même, ils ont fait un pack, donc c'est super. Du coup, j'espère que si vous avez une petite chaîne YouTube, qu'importe le nombre d'abonnés, je vous mettrai le. Bon, oui, de toute façon, il est disponible sur leur site, sur leur serveur Discord. Donc, bon. Donc, si vous êtes un YouTubeur, je crois que c'est à partir de 100 abonnés qu'il y a des trucs. Ce sont des petits trucs, mais par exemple, 1000 abonnés, je crois qu'on peut avoir le grade YouTubeur. Je ne sais pas, mais bon. Ça me ferait quand même plaisir parce que bon, quand j'ai lancé le let's play, c'était à partir de je ne sais plus combien d'abonnés, je ne sais plus, mon dieu, ma mémoire est en train de disparaître. Je disais, oui, quand ils ont lancé le pack YouTubeur, enfin au début d'Olympia, c'est vrai que j'espérais avoir les 1000 abonnés pour commencer à avoir les trucs parce que 1000 abonnés c'était le minimum pour toucher tout ce qui était pack YouTubeur, tout ça. Et je me disais, mon dieu, pourquoi est-ce qu'on tire dessus? Je me disais pas ça, justement. Jean-Michel, voilà, Jean-Michel. Allez, oust. Allez. Non. Oui, mais non. Arrête, stop. Non, mais arrête, tu vas pas... C'est bon, hein. C'est une blague. C'est qui m'a tué? Qui a voulu ma mort? C'est qui? Hein? Voilà, c'est qui? Pourquoi il y a des cadeaux enterrés? Je me pose. Mais pourquoi? Je veux ma... Je veux...
ça doit être un creeper, ça doit être un creeper, j'ai pas activé le son. Forcément, ça va pas aider. Voilà. Est-ce que j'ai activé le son? On va voir. Est-ce que... J'entends pas de son, j'entends pas de son, c'est pas grave, vous allez pas entendre de son de toute façon. C'est super, bon, bon, ben, je suis toujours à côté, bon, ça va. Oh, il y a ces arbres-là, c'est super, mais regardez-moi cette eau, tout à fait réaliste. Pourquoi il y a des... J'ai cru que c'était des araignées. Oui, je le disais, donc au début, quand j'ai lancé le Let's Play de la saison 1, j'espère un peu atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir le pack YouTubeur. On va miner pour récupérer de la pierre. On va miner. Oui, on va miner. On va miner pour récupérer de la pierre. C'est de la pierre, ça? Non, c'est pas de la pierre. Ça, j'aime pas la pierre. Ça, c'est de la diorite. La diorite avec ce pack. Vraiment, ce pack sur Vortex Fender. Sur Vortex Fender, je trouve qu'il est super. Je peux vous le dire. Si vous le connaissez, si vous l'utilisez, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il est super. Tous les packs de textures sont très beaux. Comme Pure BD Craft, je y pense, mais. Sur Vortex Fender, c'est vraiment particulier. Je trouve que le bloc de diamant, il est vraiment magnifique. Il est à la pointe super, la super pointe. Super pointe. Oui. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais j'ai aussi des œufs de TNT dans mon coffre de land que j'ai détruit parce que vu que je voulais vraiment repartir un petit peu à zéro, j'ai aussi détruit les coffres, enfin, j'ai détruit les fours, enfin, les entonnoirs pour en mettre simplement les fours. Parce que pour les fours, c'est simple à créer, donc bon. Ben, je peux commencer à tout enlever hein, non plus, mais voilà. Du coup, j'ai cassé l'under chest sans le vouloir. Enfin, je pensais vraiment refaire toute la zone, et en fait, non. Et oui, voilà. En fait, non. Oui, du coup, à partir du spawn, je pourrais pas accéder. Qu'est-ce que je fais? Matsat, et là, oublié les Matsat ou Link You, comme vous voulez m'appeler. Voilà. En tout cas, j'oublie les crafts de Minecraft. Mon dieu, c'est fabuleux. On a déjà des épées, donc bon, ça va être fort, inutile. On va quand même se faire une petite pelle. Parce que c'est chiant sinon. Désolé pour mon vocabulaire pas très sympa, mais ça reste quand même que j'ai raison. J'ai très raison et j'ai vachement raison. Donc, plus qu'un coup, bon, on va la laisser là. Le jour est en train de se lever, vous pouvez voir ce magnifique Shaders qui ne va pas très loin, je pourrais même aller un peu plus loin. Bon, il est déjà en lointaine. Bon. Mon dieu, regardez-moi ces reflets. Et donc, je redécouvre Minecraft, je reprends en style. En tout cas, voilà, je suis déjà le seul vidéaste qui fait des vidéos sur Olympia. Oui, non, mais c'est vrai, c'est dommage, je vois encore qu'il y a des vidéos sur Olympia faites sur YouTube, mais je trouve ça dommage quand même, c'est un bon petit serveur. Regardez-moi cette texture, mon dieu, cette eau qui me fait rêver, cette eau avec des particules, mon dieu. Cette eau avec ces vaches et ce truc, ce cratère, ça c'est pas naturel là. Non, désolé, là il y a une. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est pas normal. Là il y a du fer. Je tue cette araignée qui veut ma mort parce que je voulais en premier. Décidément, comment ça, il y a Zombito, il devrait cramer quand même. Hein. Il y a la vache qui veut venir porter cette chose, un secours. Merde. Bon, ça va, ça fait un dégât. Lui, il fait mal. Lui, il est pas très chance. Lui, il veut ma mort. La vache, je vois qu'ici, on veut ma mort aussi. Bon, on va regagner notre vie. On va partir. On regarde. Toi, petit zombie, on t'observe en train de brûler, on s'observe en train de mourir. Voilà. Non mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'invocation du diable. Quelqu'un a voulu faire l'invocation du diable ici. Pourquoi est-ce qu'il y a cette forme? Comme quand je dis que c'est... Ah d'accord, c'est un smiley. Oh, heureusement, j'ai cru que quelqu'un voulait... Bon, on va pas chercher, j'ai cru qu'elle a dispawn. Oui, du coup, le fer, le charmant petit... Le fer... Bon, j'ai quand même pas oublié qu'on peut pas détruire le fer avec une pioche en bois quand même. Hein. C'est vrai que j'y joue plus trop à Minecraft, mais bon, quand même. voilà, la base, c'est la base. Hein. Même je suis ultra habitué.
toujours pas de perdu d'habitude, heureusement, mais des touches. C'est vrai que j'ai toujours. Non mais disons, j'ai pas perdu l'habitude des touches. Des touches. Bon, dis donc, même en faisant des plaintes, j'arrive pas. Bon, vu que j'ai d'autres objectifs que sur la saison 1, vu que là c'était vraiment PVP faction à 100%, vu que j'avais d'autres objectifs, je disais, vu que le serveur il y a plus énormément de monde, à part les grosses factions et les débutants, et encore les débutants, même si je fais pas attention vraiment aux gens qui viennent, mais certains, j'en vois plus beaucoup. Hein. Par exemple, je sais qu'il y a Locam qui vient souvent. Il y a Contix aussi, Volstone aussi. Forcément, les modérateurs et administrateurs. Oui, et animateurs. Mais voilà. À part les habitués, sinon les nouveaux, ils restent pas très longtemps, j'ai l'impression. Parce qu'il n'y a plus vraiment de factions à piller. Regardez-moi cette petite île, cette magnifique petite île. Je vais prendre cette vue. Voilà. C'est bon. Voilà. Vous pouvez en faire un fond d'écran si vous voulez. Je peux même faire. Enfin, là, voilà. Si vous voulez des fonds d'écran, c'est le moment. Faites un fond d'écran. Voilà. C'est fabuleux. Et si vous le mettez en fond d'écran, je pense que je vais y prendre. Souvent, je vais en parler un petit peu comme ça. Ça peut donner un petit peu d'intérêt à cette vidéo parce que là, actuellement, je promenade. Je me promène. Il y a une. Oh, il y a des petits loups. Bon, on va descendre tout en bas. Si je ne vais pas mourir, j'aimerais bien récupérer. Bon, c'est un petit peu risqué quand même de tomber, mais bon, je vais quand même tomber. Ça fait pas trop de dégâts. Je pense que je peux faire YOLO en ici. Je peux tomber sans mourir. Par contre, ça va faire du dégât. Voilà. Super. En plus, il y a plein de fer. Super. C'est super, c'est génial. C'est genre. je vous disais. Oui, souvent je prends pour les miniatures, vous l'avez peut-être remarqué, mais je prends des. Pour la miniature, je mets beaucoup de la vidéo. Enfin, disons que je prends, par exemple, là, je mets du fer. Si mon titre a un rapport avec le fer, souvent je mets en pause la vidéo et je fais une capture d'écran de l'endroit où je suis. Donc c'est pour cela que souvent j'essaye d'agrandir l'image, enfin, la rendre plus grande, enfin, disons. Pour éviter de voir le chat ou encore la barre d'outils, je suis occupé, en fait je suis concentré à ne pas tomber, du coup ce qui fait que je parle un petit peu n'importe comment. Allez YOLO, pouf. Ah, super, allez on récupère le fer, il y a énormément de fer. Je vais continuer à manger parce que bon, manger c'est bien, hein, c'est quand même bien, on n'en parle pas assez, mais manger c'est bien. J'ai pas mangé les carottes que je voulais, mais bon, je voulais manger des carottes parce que du coup, le steak, bon, ça va pas être très intéressant, mais bon, au final c'était l'inverse. Là-bas il y a du fer et il y a de l'or. Tiens, il y a de l'or, ça c'est intéressant l'or. Ça sert à rien quand même. La preuve, la personne qui avait ses épées les a complètement jetées. Mais ça reste quand même intéressant. C'est un minerai intéressant. Voilà. C'est un minerai intéressant. Il me faut aussi la gun. Je pensais à la gunpowder. À la poudre, je sais pas quoi. J'espère que c'est solide, ces épées à la con. Non, ça il va exploser. Bon, tant pis. J'aurais pas ma poudre spéciale. La poudre de poussière, la poudre, je sais pas quoi, la poudre de TNT, voilà. La gunpowder. Il n'y a pas de diamant. Il y a du fer. Ah si, ça s'étend là-bas quand même. Ça s'étend, on est dans quelle couche? On est une couche 13. Normalement, je crois qu'il y a du diamant. Oui, il y a encore du diamant. Il y a du diamant, j'ai failli mourir. Ça serait quand même un petit peu bête. La redstone, ça se récolte très facilement, mais quand même, je vais garder la redstone. La redstone, c'est mon ami, c'est mon allié. Et vive la redstone, voilà. Peace and redstone, comme le dirait un grand sage. Un très grand sage. Et si vous connaissez pas la référence Peace and Redstone, ni je vais manger un caribou, c'est que vous jouez que récemment à Minecraft, c'est que vous ne connaissez pas les classiques côté youtubeur. Et ce qui est très triste. Oui, je suis venu. Il y a de l'or partout, mon dieu, il est où l'or?
Là, il y a du lapis. Il y a du lapis. Il est là, alors. Il est là. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, le jeu. Merci. On va plutôt récupérer avec... ce sera beaucoup plus utile avec une pioche en verre. Il y a du diamant. Voilà. Sauf si c'était en fait un minerai de lapis lazuli complètement déguisé. On va casser ce diamant. Parce que vive le diamant, on va voir quand même si autour... Bon, c'est quand même un très gros filon, mais au pire, enfin, dans le doute, on peut faire le tour, voir s'il y a du diamant autour. En tout cas, ça commence bien quand même. Un peu de diamant, ça va être fabuleux. Fabuleux, surtout que c'est assez pour faire une pioche. Surtout que vu que j'ai enlevé ma table d'enchant, oui, bon, on va se faire une pioche. Mais, vu que, surtout 8, oui, 8, c'est beaucoup, surtout 8. Bien d'y penser, mais oui, 8 pierres, c'est quand même beaucoup. On va pas cramer quand même, ça serait quand même triste. J'ai mieux à faire de ma vie que de cramer. Comme les zombies, les zombards, les zombies. Il y a plus rien, on a de quoi. Après, à quoi ça sert de récolter des ressources si d'un autre côté on va pas sur de base. C'est une très bonne solution, c'est une très bonne idée. À vrai dire, j'ai pas pensé à cette formalité. Évidemment, on peut pas faire cette commande. Il est où Chorus. Sachant qu'il y a très peu de risques qu'on la pille, ça serait quand même assez bête, en effet. Bon. On peut se créer une maison et on va faire un village club. Écoutez, ça va être génial. De toute façon, je vous dis tout de suite que ce let's play, ça va être un petit peu n'importe quoi. C'est pas vraiment du PVP faction dans le sens sous lequel on va créer sa faction, créer sa base, et à partir de là, on va commencer à piller d'autres bases. Non, ça sera un petit peu de la survie, un petit peu n'importe quoi. Chaque vidéo va avoir un concept complètement différent. Là, actuellement, on a récolté des ressources alors que vous avez vu que j'en ai pas trop besoin, vu que j'ai encore mon ancienne base. Mais chaque épisode va être différent, ça se trouve, la prochaine fois on va faire un pack d'attractions, je ne sais pas, je suis complètement en train de délirer. On va faire des systèmes resto. Voilà, bon. Agent GB revient sur ce serveur pour montrer comme quoi ce serveur vaut beaucoup plus que certains pensent, dans le sens où lequel il n'est pas abandonné, il y aura encore. S'il y a du monde qui vient, c'est sûr que ce let's play va retourner en version PVP faction. S'il y a beaucoup plus de monde, sauf qu'actuellement je vois qu'il n'y a pas qu'Olympia n'a pas vraiment la crotte. Ce qui est dommage, mais on perd pas espoir quand même. Je perds pas espoir, j'ai encore du charbon, oui. Ça sert strictement à rien à côté du charbon en fait. Ce que j'ai fait n'a servi complètement à rien. Mais bon, écoutez, on va pas commencer à chercher le pourquoi du comment. J'ai fait fondre. Bon, voilà. Alors, au moins tout le monde travaille, c'est assez bien. Après, je viens d'y penser, bon, même si on n'a pas de. Comment ça s'appelle? De laine. Si, la laine, on peut récupérer, oui, la laine, en effet, je viens d'y penser, mais on peut faire des pixel art. Hein, des pixel art sur Olympia, c'est tout à fait logique. Ce qui est bien, c'est que bon, si je crée des pixel art à un endroit où lequel. Je peux faire un endroit où c'est assez éloigné ou un truc comme ça. Ou en tout cas, si je claim vraiment toute la zone de façon où lequel en fait personne peut la détruire en quelque sorte. Parce que quand on claim la zone, il faut soit des claims, soit en effet il faut de la TNT. J'ai pas pensé. Oui, les œufs de TNT, ça peut. Oui, en effet. Oui. Après, de toute façon, en pixel art, je m'en fiche un peu. Bon, la laine, personne va détruire à part vraiment ceux qui veulent détruire, mais sinon ils vont pas détruire, c'est déjà terminé, c'est super, c'est de fou, ils sont trop rapides hein, quand même. Celui-ci est presque rapide. Parfait, merci bien, merci beaucoup. Voilà, je sais qu'ils vendent de la gunpowder au spawn, du coup j'y pense, mais bonjour à tous les modérateurs qui sont ici, qui surveille tous ces joueurs, mon dieu, c'est très actif sur ce serveur, mon dieu, tout le monde est au spawn, c'est ça.
un peu triste. Et d'ailleurs, j'ai pas de ticket de loterie. Je viens de penser, tu as. Parce qu'à un moment, j'en avais, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, TK. TK pour The Carry. Bonjour. Je fais un don. D'accord. D'accord. Très bien. D'accord. Oui, je vais y voir avec toi, d'accord. Bonjour, TK. Cadeau, oui. Ah, merci. 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 Voilà, de rien, merci beaucoup. 16 off magique, vraiment, merci. Tac, oui. Oui. Du coup, je vous disais, oui, donc on va retourner voir là, ici, non, il n'y a personne ici. Bon, ben, il a disparu. C'est un modérateur, en effet, parce que, bon, quand même, voler au spawn, quand t'as des modérateurs qui surveillent au spawn, c'est un petit peu bête. C'est quoi ça? Cuisinier, non, on va pas, quoique, cuisinier, la gunpowder, bon, cuisinier de la... c'est où? Là, personne. Alors, toi, t'es qui? Ouais, vagabond. Peut-être vagabond. C'est qui, toi? Aventurier. Bonjour, aventurier. Qui toi? C'est pas lui qui envoie des... Oui, c'est bien ce que je pense. Pikman. Blaze. On va jeter des... Bon, je suis quand même assez loin. Voilà, les autres joueurs vont pouvoir répondre. S'ils veulent répondre. Sinon, je mettrai une musique très très triste. Mais au pire, de toute façon, ça fera augmenter ce concept, oui, ça va allonger l'objectif, hein, bon, voilà, avoir de la gunpowder. Mon dieu, je cherche pour rien. On va tout de suite retourner, parce qu'en plus, là, la journée est en train de passer, c'est super. Je vais retourner dans le monde minage pour chercher le sang sable, parce qu'il faut beaucoup de sable déjà, et il faut attendre la nuit aussi, mais je sais pas si bon, c'est en pleine journée, hein. Mais bon, il faut aussi attendre la nuit pour récupérer, donc vous vous demandez bien, de la gunpowder, de la poudre. Après, non, mais je viens d'y penser, mais on peut acheter les TNT aussi. Acheter les TNT au pilleur là, mais bon, j'ai pas envie d'acheter les TNT parce que ça détruit un petit peu le concept, hein. Imagine, t'arrives, t'as déjà un peu d'argent et tu commences à être autant aller chercher les ressources soi-même. Mais je voulais les gunpowder parce que je me disais, bon, allez, se taper la recherche des creepers dans chaque épisode, ça va être pas du tout être drôle. Ça va être chiant en fait. Bon, ça va être chiant en tout cas. Vous allez vous dire, oui, mais quand même, miner du sable, c'est pas très intéressant. Alors je vais vous faire un timelapse, voilà, un timelapse comme on le faisait à l'autre fois sur le YouTube Minecraft. Maintenant ça se fait plus trop, j'ai l'impression, ça c'est... Pourtant on peut atteindre les 10 minutes avec... Bon, je disais, oui, on va faire un timelapse et je vais vous mettre des musiques que j'apprécie et que j'ai entendues récemment. Comme ça vous allez découvrir de nouvelles musiques, parce que c'est pas faux, mais j'ai fait découvrir à un abonné. The Fatra, donc bon, surtout que je pensais que il était très connu, The Fatra, quand même. Je pensais vraiment que tout le monde le connaissait, peut-être au moins avoir entendu sa musique. Je ne sais pas si vraiment oui, c'est tout en haut. J'ai peur que j'avais mis pour rien, mais je me dis peut-être qu'il a dû entendre The Fatra. Je pense pas que je lui ai fait découvrir à cet abonné, je ne sais plus vraiment son pseudo. Et je parle trop. Voilà, bon. Là, actuellement, je cherche s'il y a des creepers dans le coin, parce que je pense que j'ai assez de sable. Pour le moment, bon, après on va faire un grand TNT run, mais il faut déjà énormément de squelettes. Les squelettes, ça peut être intéressant pour les chiens. On va pas avoir un chien, mais quoique, pour non, ça sert strictement à rien. Oui, en effet, vous m'avez fait comprendre que les squelettes, ça sert à rien. C'est super. Bon, mon dieu,
Je vais. Oh mon dieu, il veut maintenant, il veut quand même, il ne veut pas abandonner. Il veut maintenant. Alors régénère vite ta vie. Non, il veut pas régénérer sa vie. Très bien. Là tu vas régénérer ta vie. Il m'a abandonné. Non, il veut ma mort. Il veut ma mort tout comme un zombie. Non, en fait, c'est seulement le zombie qui veut ma mort. Il a changé d'avis. Super. Merci beaucoup. Je veux des creepers. Des gentils creepers. Des creepers qui vont se laisser faire. Est-ce qu'une épée en fer n'est pas plus puissante qu'une épée en... C'est bien... Oui, de toute façon. Quoique, l'épée en or est reconnue d'être pas très solide, mais d'être assez puissante. Parce que je me disais 6, ouais, bon, c'est complètement beaucoup plus. 6 points d'actate, bon, désolé, mais bon, ça sert à rien. Peut-être par rapport à la celle en pierre, sûrement, en fait. Mais oui, on va chercher des creepers. Je vais récupérer quand même de la laine parce que la laine c'est bien déjà, et surtout il y a un ami qui veut ma mort. Bonjour, mais surtout je veux de la laine pour faire mon pixel art. Et oui, on va le faire en laine, on va pas le faire en autre matériau parce que bon, ça va être un petit peu compliqué. Mon dieu, c'est qu'est-ce que... Ah, j'ai cru qu'il chevauchait un mouton. Je vais vraiment pas du tout bien. Mon dieu, il y a un squelette, ils veulent tous ma mort ici. Je savais, je suis venu. J'aurais pas dû venir. Bon, je voulais chercher le mouton, mais... Oh, toi, je t'aime bien, toi, t'es mon ami. Tu veux être mon ami, tu ne veux pas... Ah, t'as ramené un tempête en plus. Bon. Restez de votre... mon dieu, t'as c'est... Non, je préfère les creepers face pour le vert. Non, mais non. Oh. Non. Ah, chier. Mon dieu, mais non, mais... Hein. Ils veulent tous ma mort. Heureusement, le soleil vient. Du coup, il y en a un autre qui veut exploser. Non. Oh, ils sont chiants. Après, peut-être que l'un a tué l'autre, mais est-ce que je verrai... Déjà, t'as une araignée qui est en train de détruire la vie de... Mon dieu, non, mais sérieusement, il y a... M'attaquer... Pourquoi vous m'attaquez? Voyons, vous êtes pas gentil. En plus, je les traîne dans l'eau comme ça. Ça va être super pratique. En plus, l'autre, il est en train de voir que je suis... Non, mais arrêtez de m'embêter, s'il vous plaît. En plus, là-bas, t'as un autre squelette. T'as des squelettes partout, s'il te plaît. Bonne carotte. Soit, il y vient ou pas l'autre. Bon, voilà, ça y est, je récupère ma vie. Ils vont tous mourir. Mais le problème, c'est que je vois rien. En fait, le problème de ce shader, c'est que quand il fait sombre, il fait très sombre. Comme tous les shaders, en fait. Et du coup, le temps que la journée vienne... Bah, en fait, je vois rien. Allez, zou, 1. 2. Non. Enfin, oui, pour toi, mais non. Tu vas pas exploser. Jean-Richard, Claudine, non, tu vas pas. Bon, oh mon dieu, t'as explosé. Oh, il est pas gentil. Bah, au moins, on a deux poudres à canon. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais, le poudre à canon. C'est déjà un bon début. Bon, ben, je trouve aucune trace de nos chers moutons. Je regarderai en vidéo, mais bon, je pense pas qu'ils vont réapparaître. Ça change, le monde change. Tout autour de nous, mais le monde change en fait chaque jour. Du coup, je vais pas les retrouver, donc c'est un petit peu...
Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite voir la suite de ce petit let's play n'importe nawak. Ce sera le n'importe nawak Olympia Edition. mais voilà, n'hésitez pas à faire un retour sur de regarder mes 2-3 autres vidéos. C'est pas que de ce que je vais faire, hein. Forcément je vais arrêter les let's play, mais voilà, n'hésitez pas à faire un tour. En tout cas, il y aura du Minecraft, il y a de tout sur cette chaîne, c'est fabuleux, mais il n'y a pas de moutons, c'est vraiment triste. Il n'y a pas de moutons, c'est très triste. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et c'était Linkieu, à plus.